gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vidéo, de live et de Monster Hunter, parce qu'on va revenir sur Monster Hunter. Alors aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le jeu doit être trop fort, donc je vais baisser le jeu, parce que, dites donc... Monsieur Drake, ça serait possible de baisser le son parce qu'on vous entend plus. Est-ce que c'est possible? Je remercie encore toutes les personnes qui sont abonnées et ça, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Les commentaires, ça peut aider la chaîne. On le dit pas souvent, mais le commentaire peut aider comme les pouces bleus. Donc, n'hésitez pas à mettre les commentaires et les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Donc, je vais parler vite fait de vidéos et de live. Alors, les lives, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les lives maintenant seront le mercredi. Donc, comme d'habitude, à 21h30 à minuit, voire 1h du matin, ça dépendra des mercredis. Et maintenant, les samedis, comme vous le savez, maintenant, les samedis, ce seront des lives de 16h30 à 22h. Comme ça, avec des petites coupures à l'intérieur pour que je puisse manger et puis que voilà. Donc, un live le samedi avec au minimum 4 jeux dans le live. Donc, voilà, comme samedi dernier. Alors, il y aura peut-être des samedis, je n'en ferai pas parce que bon, il y aura peut-être des samedis où je ne serai peut-être pas là. Donc, je remplacerai par une vidéo à la place. Donc, voilà. Donc, maintenant, le reste de la semaine, entre le lundi et mardi, ça sera vidéo. Mercredi live, jeudi vendredi vidéo et samedi soit un live si je suis là, donc de 16h30 à 22h, et si je ne suis pas là, je vous mettrai une vidéo. Et le dimanche, toujours rien pour le moment, mais si un de ces quatre, si moi j'ai envie de vous faire une vidéo, si y a un truc qui m'intéresse et que je vois un truc qui est intéressant, je vous ferai une vidéo pour le dimanche. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Monster Hunter. On va parler de Monster Hunter. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a un film qui va sortir. Alors, je suis allé sur Monster Hunter hier. Et c'est vrai que ce jeu m'avait plutôt manqué et que j'avais un peu laissé de côté. Et c'est vrai que ce jeu, sur le long terme, en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours un truc à regarder. Il y a toujours un truc à découvrir. Donc aujourd'hui, on va aller sur Monster Hunter pour parler déjà... Ben, du film Monster Hunter, maintenant disponible apparemment. Alors je ne sais pas s'il est vraiment disponible. Je n'ai pas encore vu... Ben, moi je ne l'ai pas vu, mais dites-moi en commentaire si vraiment il est vraiment sorti en fait, pour ceux qui sont fans de Monster Hunter. Peut-être que j'irai voir aussi dans ces coups de temps-là. mais c'est vrai que je ne... Après avoir joué, n'oubliez pas d'aller voir le film. Après avoir joué, n'oubliez pas d'aller voir le film. Bah ouais, mais... Le truc, c'est qu'en fait, ça vous rajoute deux missions. Donc, commencer. On va aller sur ma partie. Donc, voilà mon personnage pour ceux qui se souviennent. Donc, je suis rang MC, rang maître niveau 7 et rang master, rang novice 35. Donc, plutôt pas mal. Après, j'ai encore quelques quêtes en mission novice. Et maître, parce que j'ai laissé à l'abandon pour le moment le jeu. Donc voilà, on va aller voir tout ça. J'ai des coupons, modifications Pokéli, donc du notre chat, et modifications de notre personnage, j'en ai deux. Bon, j'ai pas vraiment envie de modifier mon personnage parce que ça sert strictement à rien. À un niveau où je suis, et puis à un niveau autant d'heures de jeu, je pense que plus personne personnalise son personnage et son chat. Donc, on va se lancer sur notre personnage. Voilà, recherche rapide. J'ai pas envie de faire une recherche personnalisée. Hein. Pas chercher les cantons non plus. Donc, pour ceux qui y joueraient, dites-moi en commentaire. Et puis, ceux qui se disent, mais Monster Hunter est un vieux jeu. Même si c'est un vieux jeu, il y a toujours des modifications, toujours à l'heure qu'il est. Il y a toujours des mises à jour et il y a toujours des trucs à faire. Donc, clairement, pour ceux qui l'ont abandonné, je vous invite à le reprendre et d'aller faire un petit tour dessus. Il y aura toujours des trucs à faire.
Et surtout maintenant on peut faire pas mal de trucs ensemble pour les personnes qui veulent être aidées ou des trucs comme ça, je vous invite à y aller dessus. Donc on va faire une quête que j'ai déjà fait qui n'a pas été pris en compte, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai déjà fait les deux quêtes pour vous dire, c'est la quête bon donc du film. Vous jouez pas votre personnage, vous jouez la personne de la quête en fait, de la quête du personnage. Et en fait, je pense que ça vous découvre un peu, ça vous raconte un peu l'histoire du film. Donc je sais pas, il faudra que j'aille le voir sur Netflix ou que je regarde sur Internet s'il y est vraiment. Bah, attendez, on va le regarder ensemble sur le téléphone. Alors, Monster Hunter World. Monster Hunter. Monster Hunter World. Pourquoi ils ne me sortent pas? On doit chasser un Argacouga et un Glavenus. Mais on peut aussi en profiter pour chercher des traces du Vel'Koz. Alors, voyons. Monster Hunter. Film. ...2020, Actu Cinéma, Fantastique... Ah oui, si, il est sorti. Monster Hunter World, film d'action, multinational, écrit, réalisé par Nenyanya, sorti en 2020. Ah oui, si, il est sorti en 2020. Il s'agit de l'adaptation cinématographique de la série du jeu vidéo Monster Hunter, édition développée par... Je le dirai pas parce que sinon ils vont me dire, mais monsieur, les droits d'auteur, ça vous dit quelque chose? Ah oui, il est sorti le 3 décembre, donc il n'est pas si vieux que ça. C'est pour ça que je. En Angleterre, le 3 décembre en Angleterre. Alors, je ne sais pas s'il est sorti en France. Je pense pas, parce que s'il est sorti qu'en Angleterre, c'est marqué en Angleterre sur la biographie. Donc je pense que il pourrait y avoir un film. Il pourrait y avoir un film. Prochainement, soit sur Netflix, soit sur les internationales du cinéma ou les trucs comme ça. Mais oui, ils font. Ah, elle a joué dans Resident Evil, c'est pour ça qu'elle me dit quelque chose. Alors, qui qu'elle joue, mais je ne sais plus qui. Ok, d'accord. Ok, donc c'est tout à fait possible. Extension disponible. Visite le site officiel pour les quêtes évidemment. Et je sais. Donc, alors, on va aller voir ça. Je vais vous faire directement, donc directement les tableaux. Donc, vous allez dans les nouvelles quêtes. Vous allez dans soit rang maître, soit rang novice. De toute façon, ils y sont tous les deux. Vous allez dans événements et dans ah non. Allez. Ou c'est dans spécial. Ah non, c'est dans spécial. Donc, vous avez soit visite d'un autre monde ou contrat impossible. Ah non, c'est pas ça? Ah non, c'est. Ok, d'accord. Alors, je sais pas en fait ce qui est un peu bizarre. Parce que normalement, c'est dans les événements. Et dans les événements, comme vous le voyez, ils sont là. En fait, les deux quêtes se rajoutent ici. Donc, le nouveau monde est bienvenu dans le nou dans notre monde. Donc là, vous battez. Alors, ici, vous battez dans le nouveau monde contre un. 1, 2, 3 soleils contre un Diablo noir, et là vous vous battez contre un Raphia géant et qui est plutôt casse-couille. Alors après, ils sont bas niveau, clairement, ils sont très bas niveau. Je pense que pour le jeu, il y a vraiment un gros truc de différent. Donc on va aller ici, on va aller dans les spéciales et on va visiter d'un autre monde. Alors le monde apparaît. Hein. Le créateur étrange. Ah non, c'est peut-être pas ça en fait. Il faut obligatoirement être un rang maître alors. Faut être obligatoirement rang maître. Donc on va faire le nouveau monde. Alors bien sûr, le nouveau monde c'est notre monde à nous, hein, bien sûr. Mais vous ne jouez pas notre personnage en fait. Vous jouez pas le personnage, vous jouez quelqu'un d'autre. Donc ils vous le disent au début. Donc ils vous disent que voilà, machin, truc comme ça. Donc il faut attendre que ça charge. Mon palicom, il est où? Ah, il est là. Donc voilà. Alors ce qui est un peu chiant, c'est que bon, j'ai perdu un peu la main. Alors si je me fais battre, voilà, hein, faut pas m'en vouloir.
Je les ai battus, j'ai déjà battu les deux une fois. Donc je le fais, c'est surtout pour la vidéo, pour vous montrer un peu la chose. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que pour l'avenir du cinéma, clairement, ça peut être sympa, clairement, de mettre des trucs qui sont en rapport avec le jeu et le film. Ça, c'est vraiment sympa de pouvoir mettre un truc comme ça pour faire un petit clin d'œil au film, pour dire, voilà, il y a un film qui va sortir, et ça, c'est vraiment sympa. Alors, sauf que, vu que, en temps normal, le jeu est en français pour moi, mais la sortie des quêtes sont en anglais. Donc, quand vous les entendez parler, tout est en anglais. Donc, bon, là, ils ne le mettent pas, parce que, vu que je l'ai déjà fait, ils ne remettent pas les sous-titres, mais vous allez comprendre un peu. Donc, je vous laisse avec le jeu, et j'enlève ma caméra pour la suite de la vidéo, comme ça vous serez un peu plus dans l'immersion et vous n'aurez pas une tête à côté. Voilà, donc normalement à partir de là vous allez avoir une petite animation de notre personnage qu'on va jouer. Back here, all right? Wait, where are those two? Donc voilà, donc une petite cinématique qui est plutôt sympa, moi je trouve. Donc à partir de là, en fait, normalement vous jouez soit qu'une épée en fait, soit les deux, une lame comme ceci, ou soit vous pouvez, alors normalement j'ai pas l'habitude des trucs comme ça, mais on va tester comme ça. Mais normalement avec le coffre vous pouvez changer votre équipement un peu comme à la The Witcher. Normalement vous avez une quête à la The Witcher et clairement ça c'est plutôt cool. Et bah vous avez aussi votre coffre, le coffre des boissons, donc si vous voulez prendre ce que vous voulez, ce qui peut être pas mal parce que clairement là on va moi je l'avais fait sans prendre les barils, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Ça peut être sympa de prendre des boissons. Vous avez déjà 10 potions normales, des maxi potions, des potions soins plus. Vous avez la potion secrète, la potion arsenal, la ration, les capsules aveuglantes, les capsules sommeil et les guisoirs comme d'habitude, le fil, les cannes à pêche. Bon, je pense que ça doit aussi se relier aussi sur notre profil. Le photomaton, bon, et puis les barils que j'ai pris. Donc voilà. Hop. Donc c'est un peu, ouais, c'est notre monde quoi, c'est notre monde un peu modifié. Bah pas modifié, non, pas du tout. T'as pas l'air amical. C'est sûr qu'ils sont pas amicales du tout ceux-là. Hop. Alors vous avez pas le grappin avec elle, c'est un peu chiant parce qu'on peut pas monter sur les monstres.
Parce que normalement, quand vous êtes en Monster Hunter World, vous pouvez avoir le grappin pour grimper sur les monstres. Sauf que là, bah, il est pas. Il est pas. Je pense qu'ils l'ont enlevé ou pour le truc, je pense qu'ils ont dû l'enlever. Ou elle l'a pas, c'est tout. You again? Diable noir. Okay, enough exploring. You wanna fight? I'll give you. Ah, voyons voir un peu. Ah là, par contre là. Par contre, tu fais pas beaucoup de dégâts avec ces lames là. Allez. Ah non. Il va me faire encore le coup. Allez, relève-toi. Ah mais il est chiant ce Rathalos à faire des creux là. On a le temps de rien faire. La caméra qui se barre encore une fois. Casse-couille celui-là. Oh la vache. Wow. Des sacrées attaques avec sa petite lamelle. Non. Arrête de nous faire des trous. Mais non, mais il est chiant. T'as pas le temps de te relever. Oh. T'as couru. Le truc c'est qu'on n'a pas le temps de se relever avec certains, c'est chiant. Damn.
crever, wesh. Alors le truc, c'est que vous ne récupérez pas les machins qui tombent du Ratalos, en fait, pour vous, pour votre équipement. C'est un peu en mode juste pour l'événement, en fait. Aïe aïe. Ah putain, mais il fait chier de faire des trous, là, des trucs, là. Et, oh, mais mince. Tu m'auras pas. Non. Perdre sa queue à lui. Parce que j'ai pas réussi avec une double lame. Aïe. I can take you on by myself. Non. J'arrive à aiguiser mes lames. Oh, genre. Ah bah oui. J'ai jamais compris ce système de jeu où ça t'arrête de marcher, en fait, ça t'arrête de courir. Tu lances la potion, je sais pas, tu bois quoi, tu te fais attaquer, tu t'arrêtes pas quoi. Je pense qu'on fait plus de dégâts quand même avec des petites lames parce que vu que les... Oh yo, eh oh. Tu t'esquives, sérieusement, à part si je me trompe de touche, mais non, c'est ça en plus, c'est pour moi, c'est le A pour moi, mais non mais là fais l'autruche quoi. Et non, oh, il va se calmer, wesh. Impossible ce ratalos de pacotille. Non mais... Ouais.
calmer, moi. Tu fais des roulades, t'es sous ses pieds, tu veux faire comment pour esquiver ça, sérieusement? Non, 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 non. Mais... Jarque, pas casse-couille, je suis là. Tu vas crever, oui. Bon, il n'y a pas d'attaque particulière, en fait, avec elle. Avec les lames là, je pensais qu'il y avait des attaques un peu... Donc voilà, c'est comme ça que ça se finit pour la première apostrophe. Donc je ne vais pas vous faire la deuxième partie parce que ça serait trop long. Mais si ça vous intéresse, donc vous allez sur la suite, donc l'icône violette qui est en dessous, et vous pouvez aller battre donc le gros Rathalos qu'on est en train de suivre en ce moment. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Moi je vais peut-être continuer un peu à recommencer sur Monster Hunter ou faire 2-3 petites vidéos dessus. On ira battre 2-3 monstres. Je referai peut-être des lives dessus parce que bon, voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, à partager et à mettre la cloche. Et on se dit à la prochaine, c'était Drac Survie. Et peace les gens, passez une bonne soirée.